Coucou tout le monde, on se retrouve pour un haul AliExpress. J'ai reçu quelques petites choses que j'ai commandées, donc je vais vous montrer parce que pour mettre les liens après, ça va être compliqué parce que il y aura beaucoup de choses. Donc là, je fais petit à petit. Alors, j'ai pris ce set de tampons comme ceci, vintage, avec des étiquettes, des écritures. Là, une carte postale. C'est plutôt pas mal. Je sais pas si c'est en français. Non, je pense pas. Non, en anglais, évidemment. Donc, c'est une grande planche. Elle est assez grande, celle-là. Hop. Je vais pouvoir la ranger directement. Comme ça, ce sera fait. Donc, dans le ton vintage. Je suis contente. Donc, les liens seront en barre de description. Il y avait celui-là, alors il y avait encore l'étiquette bingo. Elle est plus grande que l'autre, donc je suis contente. Et puis vous avez des écritures ici. Dans les tons vintage. Donc celui-là aussi, je le trouvais pas mal. Surtout avec le bingo, là, il est plus grand que l'autre, donc c'est super, j'en voulais un plus grand. Donc là, j'ai trouvé ce set là. Très sympa, je crois que c'est dans les 3 euros. Ça colle, il y a comme de la colle là. Hop. Alors, j'ai dans ma pochette. Voilà. Donc, déjà, ces deux sets de tampons. J'ai trouvé aussi ce set tampon avec des papillons, évidemment. J'en ai déjà pas mal, mais là, il y en avait des plus petits. Ils sont vraiment beaux, ceux-là. D'ailleurs, ils font penser un peu aux papillons d'action dans les die-cuts qui avaient une période. Et franchement, ils sont magnifiques. Donc, c'est surtout pour les papillons, hein, parce qu'après, c'est des écritures en anglais. Donc, pas vraiment intéressant. Mais au moins, les papillons, très jolis aussi. Hop, ça aussi je vais pouvoir ranger parce que ça traînait à côté là sur mon bureau. Donc franchement super. Elles sont magnifiques ces planches de tampons. Elles sont assez grandes. Elles sont assez grandes. Elles font à peu près 15,5 sur 21. Donc elles sont grandes les planches. J'ai pris ce set de tampons là. Thème voyage avec la carte qui est pas mal aussi. Faire un fond de page, enfin un fond de carte, ça peut être pas mal. J'en avais un mais il était tout petit, donc là je suis contente, il est vraiment très beau. Donc voilà, donc ça aussi il y aura le lien en barre de description. J'ai trouvé celui-là, alors là j'ai craqué dessus. J'avais trouvé un set tampon loup, mais là, celui-là, il est magnifique parce qu'on peut faire en superposition. Et franchement, il est trop beau. Avec la lune, il est vraiment trop beau celui-là. Ils font d'autres choses comme ça. Il y avait un kangourou. Enfin, il y avait plusieurs choses. Et moi, j'en avais déjà acheté un. C'était un lapin. Et d'autres choses, mais je me souviens plus. Ça fait un moment déjà. J'ai pris aussi ce set de tampons, je vais le ranger. Je cherchais depuis un moment dans la nourriture un peu japonaise et voilà, j'ai trouvé les sushis. Avec le saké, la planche ici pour mettre les sushis, la baguette, la théière, le bol. Enfin voilà, trop trop bien pour une carte asiatique. En plus ils ont mis un exemple et l'exemple qu'ils ont fait elle est vraiment belle. Donc je vais essayer de la refaire et moi je suis trop contente. Donc, comme j'aime bien tout ce qui est un peu asiatique, voilà. Voilà, voilà, ça complète. Après, j'ai pris cette petite planche de tampons pour les mariages. Je l'avais commandée une fois, mais je ne l'ai jamais reçue parce qu'ils n'en avaient plus. Et bah, je me suis fait rembourser, évidemment. Mais voilà, avec merci, oui, mariage, je trouvais ça pas mal. Donc, elle n'est pas très grande. Mais c'est suffisant, surtout au mariage, parce qu'après ça aurait été trop grand. Donc, trop contente. Avec ici des empreintes de doigts en forme de cœur.
Donc je trouvais ça pas mal aussi, voilà. Moi, c'est surtout pour les écritures, en plus, comme c'est en français. Alors, il y a merci du fond du cœur, ou juste merci, hein. Vous pouvez marquer soit merci, soit merci du fond du cœur. Ont la joie de vous annoncer se mariant, notre, leur mariage, se disent là oui, parce que l'amour, c'est your, toujours. Enfin, ouais, c'est. Ils se sont trompés avec. Au lieu de marquer pour, ils ont marqué your, mais bon, c'est pas trop gênant. Il y a marqué lui, elle, et ici un petit pot avec oui. Voilà. Donc elle est pas mal aussi cette petite planche. J'espère qu'ils en auront encore parce que des fois, on a du mal à les trouver. Celui-ci, pour faire un ton vintage comme ceci, horloge, je le trouvais pas mal. C'est dommage, j'aurais préféré qu'il soit plus large, mais franchement, il est pas mal. Il est assez grand, le tampon il fait 17,5 par 7, donc il est quand même assez grand. En tampon, ah oui, celui-là je l'attendais depuis un moment, je suis contente de l'avoir reçu. D'ailleurs, je vais enlever le plastique. Hop, désolé pour le bruit. Voilà. Je vais enlever le plastique parce que celui-là je pense que je l'utiliserai assez souvent. Bon, par contre, ils ont découpé le plastique, le rhodoïde comme un. Hein. Mais celui-là, il est pas mal parce qu'en fait, on a magnifique, week-end, mois, félicitations, journée avec des petits cœurs, merci, joyeuse Pâques, bonjour, toi, bonne année, nous, j'adore avec un cœur, bonne fête, joyeux anniversaire, coucou, meilleurs vœux, rêve, amitié, de rêve, bonne fête des, après il y a super, mère, joyeux Noël, bisous, je t'aime, vacances, sourire et père. Vous voyez, on a tout ce qu'il nous faut. C'est dommage qu'il n'y a pas de condoléances ou félicitations. Si félicitations il y a, mais il n'y a pas condoléances et autre chose. Bon, c'est pas grave. Mais il est quand même assez complet. On a quand même pas mal d'écritures. Et en plus, c'est en français, donc c'est super. Il y a même pour les vacances avec, enfin, week-end, journée. Oh, voilà, il y a des petites choses sympas. Oui, vacances, rêve ou de rêve, ça peut être pas mal. Après, bon, c'est des dies. Donc celui-là, j'étais un peu déçue. Je le pensais plus grand. Je le pensais un peu plus grand. En fait, c'est Blanche-Neige et je le pensais plus grand. Mais bon, c'est pas grave, ça peut être intéressant aussi. Donc ici, vous avez le visage, les cheveux. Ça, je sais pas ce quoi. Le corps, je sais pas. En fait, ça a superposé. Donc, vous avez les bras ici, la tête. Enfin, voilà. Mais je le pensais plus grand. Regardez par rapport à ma main, il est un peu petit, mais bon. C'est pas grave. Pour Halloween, j'ai craqué pour ce petit chat en colère. Il est assez grand aussi. Celui-là, il est pas mal pour Halloween. J'ai pas mal de choses. Hein. Cette fois-ci, j'ai reçu pas mal de choses. Dans les Disney, j'ai reçu. Hop, voilà. Donc, dans les Disney, j'ai reçu celui-ci. J'avais acheté à l'époque la théière avec la tasse et autres. Et là, j'ai acheté la. Le petit chandelier, je sais plus comment il s'appelle. Lumière, je sais plus. Voilà. Donc il est pas très grand, hein. Mais ça va avec les autres, donc je l'ai pris. Parce que j'aime bien toute la Belle et la Bête. Donc j'ai même un coin dans ma scrap room avec les des décorations la Belle et la Bête. Et quelques Mickey, mais bon. Et en parlant de Mickey, j'ai trouvé ce die-ci, il est trop beau. Il est assez grand, hein. Il est trop beau dans une pellicule avec la tête de Mickey. Il est trop trop beau celui-là. Faut que j'essaye de faire une petite carte avec. Celui-là, j'ai craqué dessus. Un dies. J'ai trouvé celui-ci avec des mariés. Donc ça, faut que je fasse une carte avec parce qu'il est vraiment trop beau. Donc c'est des mariés dodo. Pour une carte, je trouvais ça pas mal. Donc je l'ai pris. Il est vraiment trop mignon celui-là. Et il est assez grand, hein.
Donc pareil, ça vous aurez le lien en barre de description. Alors j'ai pris celui-là. Donc c'est un tampon. Lit de bébé. Avec deux bébés. Donc une fille, un garçon et une petite peluche qu'on peut mettre au bord ici. Et en fait, c'est assorti à un dice pour découper tout ça. Donc j'ai pris le set. L'assortiment, voilà. Pour découper le lit, ça sera plus simple, je pense. Enfin, voilà. Moi, je pensais que le lit, en fait, c'était une découpe. Je le trouvais super beau, mais en fait, non, c'est un tampon. Bon, c'est pas grave. Donc, voilà, voilà. Toujours dans le thème bébé. Hein. C'est un des thèmes que j'arrive à faire le plus. Et j'ai pris, la dernière fois, un cornet de glace. J'avais fait le moulage comme ça. Et ben là, j'ai pris, mais avec les trois boules. Voilà, pour une couverture d'album de vacances, je trouvais ça pas mal. Donc voilà, j'ai pris la continuité. Et je les trouve... Bon, et après, ils sont assez épais, mais ils sont vraiment trop beaux. Et j'ai commandé, il est un peu tordu, un classeur de gaufrage comme ceci. Je le trouvais pas mal celui-là, et je crois pas que je l'ai, donc je le trouvais pas mal. À voir pourquoi l'utiliser, peut-être pour un thème mariage, je sais pas. À voir. Donc voilà pour ce haul AliExpress, j'ai reçu déjà pas mal de choses. Ma grand-mère, quand elle va venir aussi, va me ramener quelques petites choses parce que j'avais commandé quelque chose pour elle, j'ai mis son adresse, sauf qu'après j'ai oublié de la changer. Donc, et que j'ai commandé plusieurs trucs pour moi qui sont arrivés du coup chez elle. Donc voilà, j'attends qu'elle arrive pour me les donner parce qu'il y a pas mal de choses. Donc voilà. Voilà, voilà pour ce haul AliExpress. Je vous fais des gros bisous et vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous.